Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue sur le site EMF. Bonsoir mon Dave. Pour cette seconde, ce second Grand Prix du Championnat de France sur le track de Brou. Eh bien bonsoir mon Dave, donc seconde manche du championnat donc à Brou. Donc Julien Charbonnier, David de Beaulieu pour les le stream. On a eu un petit problème pour lancer le stream et maintenant on est avec vous. Donc qui c'est qu'on a dans cette manche là? Nous avons donc Alexis Leclerc, Jordan Lacoste, Corentin Dubois, Logan Depaty, Jimmy Leclerc, Maxime Tison, Kevin Letellier, Fred Lorenzo Junior, Benjamin Joly, Johan Meyer, Yann Bidobay, Dorian Marot, Adrien Corvisier, Théo Zomero, David Leroux, Florian Depardieu, Ryan Ravel, Mika De Souza, Mathieu Moisseron, Benoît Kraviec, Thomas Linotte, Damien Meyer, Jérôme Vasselin, Mathieu Lemoine, Aurélien Van de Capelle, Morgi Fabreguet, Rémi Gourdon, Kenny Etuin, Johan Roger, Victor Bittner, et c'est tout. Donc beaucoup de joueurs contestés les qualifs, donc un track, un très beau track, glissant, technique. Donc pour les meilleurs ça n'a pas été un problème la glisse, pour les autres un peu plus. Donc là on est déjà parti sur la manche avec Alexis Leclerc qui est donc en tête et qui vient de chuter. Il vient de chuter et c'est Corentin Dubois. Non, c'est Jordan Lacoste. Voilà. Jordan Lacoste qui passe en tête devant Corentin Dubois qui vient de glisser. Logan Depaty derrière. Jimmy Leclerc, Maxime Tison, Alexis Leclerc. Entre Corentin Dubois et Logan Depaty. Ce qui permet à Max de passer. Max hein, qui est chaud bouillon pour ce deuxième Grand Prix de ce championnat de France. Il avait fini combien la première épreuve, tu te rappelles pas? Je crois qu'il est deuxième du championnat, je suis pas sûr, il faudrait que je regarde là, on vous donnera les classements pour la deuxième manche, comme ça on saura qui était là. Bah attends, je les ai, donc c'était Alexis Leclerc qui avait gagné devant Tease et Jordan Lacoste. Voilà, bah donc on a Jordan Lacoste qui est donc premier, suivi d'Alexis Leclerc qui est remonté à la deuxième place. Bon, Alexis qui a été... Chute d'Alexis et qui emmène Tease par la même, voilà. Et qui emmène Kevin Letellier. Et Corentin Dubois, et suivi de Benjamin Joly, C'est chaud, Alexis a voulu tenter un saut, c'était peut-être pas le moment de tenter. Eh non, ce qui permet à Jordan de prendre un peu le large. Ben Jordan, oui, devant Jimmy Leclerc. Et Newbie qui est 3. Nous avions oublié Newbie là qui est là, toujours à l'affût. La moindre petite place, il trouvera toujours l'endroit où il va pas tomber. Il a réussi justement à éviter le carambolage causé par Alexis. Alexis justement qui est en venu 4, hein, qui est juste derrière un Newbie. Alors on voit un Newbie hein, qui prend beaucoup les intérieurs. Il a été attaqué. Non, il n'a pas été attaqué. Il attaque Jimmy Leclerc. Ils sont tous les trois là dans un moussoir. On va voir le capitaine. Hein. Alexis qui est derrière à 4 secondes. Donc il y a un Kevin Letellier, Logan, Théo Zomero, Wettis, Benjamin Joly, Corentin Dubois-Neuf, Fred Lorenzo Junior qui vient de tomber avec Maxime Tison. Max qui se retrouve 12. Ah,
Non, on est toujours sur la bagarre entre Newbie et Jimmy. Newbie qui est passé. Newbie est passé, il va attaquer Jordan. Eh, Newbie, hein, là, ça, il m'avait dit qu'il adorait ce track. Donc il est là, Newbie. Il est là, aux avant-postes. Bataille pour la première place. On est à 5 minutes de course, il nous en reste encore 10 plus de tours. Rien n'est fait, en sachant que les autres, hein, derrière, ça va cravacher. Hein, Alexis va pas se laisser faire comme ça. Je pense bien. Avec Kevin Le Tellier aussi, là, qui est derrière. Logan, qui a été aussi performant sur le dernier Grand Prix, le premier Grand Prix de ce championnat de France. Corentin, pareil. On a Théo Zomero, Benjamin Joly, qui est à la 9e position. Adrien Corvisier, qui est passé 10. Alexis Leclerc, qui double son frère. Maxime Tison est passé à la 17e position, à 6 minutes de course. Ah, il va cravacher, il va remonter. 6 minutes de course, hein, on est vraiment, vraiment au début. Il peut revenir, on a confiance. Ensuite, Adrien qui est tombé, Adrien Corvisier. Mathieu Moisseron qui est 11. Florian Depardieu, Thomas Linotte qui est en 14e position, suivi d'Aurélien Van de Capel qui est lui en 15e, Tease en 16e, Benoît Kraviec qui vient de chuter, Morgi, notre ami Morgi qui est en 19e position, suivi de Mathieu qui est remonté, qui est dans les points. C'est bien ça pour Mathieu, nous sommes toujours nous... sur Alexis qui remonte sur Newbie. David Leroux aussi qui est 21e, là il remonte. On a aussi notre ami... là il y a un bon groupe, il y a eu une chute. C'est Aurélien et Thomas Linotte qui sont tombés. Ah, ça va coûter cher ça. Ça coûte tout de suite des places, oui. David Leroux qui a repris une place, qui est rentré dans les points. Suivi de Dorian Marot. Dorian, on le sait, hein, qui la semaine dernière a fait deux belles manches. Oui, Dorian qui a fini sixième, hein, la semaine dernière, entre Newbie et Mathieu Moisseron. Mika de Souza qui est tombé, 24e. Damien Meyer, 25e. Oh là là, et une chute. On va remonter sur le devant de la course. Une chute pour Jordan Lacoste qui laisse passer Newbie et Alexis. Ah ouais, là, alors Newbie va falloir tenir, parce qu'Alexis, il attend. Ah, Jimmy qui vient de chuter, ce qui a permis à Jordan de repasser troisième. Oh, Newbie fait l'erreur, une petite glissade et Alexis est passé. Et Alexis est passé. Alors Newbie, on se reconcentre. Si Alexis part devant... Et il y a grand danger, on sait très bien comment il enquille les manches. Ah, j'espère que Newbie va pouvoir tenir le rythme. On sait jamais, une petite erreur d'Alexis, si Newbie est juste derrière. Après, nous avons en troisième position Jordan Lacoste, Kevin Le Tellier, Jimmy Leclerc. Qui est en 13e position, il remonte, il était 16 dans le tour précédent. On a Corentin Dubois aussi. Mathieu Masseron, Logan de Paty, Théo Zomero, Adrien Corvisier, Fred Lorenzo, Maxime Tison, Florian Depardieu, Aurélien Van de Capel, Benoît Kraviec, Ryan Ravel, Kenny Etouin, Morgi Fabreguet, Dorian Marot, Damien Meyer qui est remonté à la 21e. David Leroux. Ouais. Mathieu Lemoyne, du team CKR, ça fait plaisir. Il est là. Thomas Linotte qui est 25, il était bien Thomas tout à l'heure, il a chuté. Jérôme Vasselin, Mika de Souza qui est un peu en souffrance, mais bah, il peut revenir, il faut qu'il s'accroche. Il y a pas mal de chutes sur ce track qui est assez difficile quand même, il glisse beaucoup. Il faut s'accrocher.
Alexis, hein, qui commence à creuser le trou. Creuser un petit peu. 6.9, c'est pas grand chose, hein. Newbie va pas lâcher comme ça. Et le saut sur lequel il est tombé tout à l'heure, c'est passé. C'est passé, eh oui. Énorme. Hein. C'est un des rares que j'ai vu le tenter. Avec Maxime Tison. Tise aussi le... Le passe. J'ai pas vu Tige, j'ai juste vu Alexis pendant les qualifs. Une chute de Jordan Lacoste. Ça va faire les affaires de Newbie, ça va lui laisser un peu d'air. Kevin Letellier qui est passé donc troisième. Allez Newbie, allez. Alexis qui, bon, voilà, ça y est, hein, en quille. Et là, du coup, derrière, la bagarre entre Kevin Letellier et Jordan Lacoste, les deux se sont accrochés. Jimmy Leclerc qui passe, du coup, qui a gratté deux places. Il suivait d'un peu trop près. Un qui a fait une erreur, les deux sont tombés. Jimmy a bien fait, du coup, de rester sur l'extérieur. Revenons sur Alexis. Si tu pouvais me donner une indication, les chronos d'Alexis. Ben, j'attends, il arrive là. Donc, 2-10 dans ce tour. 2-10, c'est énorme quand même. Ouais, exact. On est en manche. On a Newbie qui arrive derrière et qui est en 2-13. Donc pareil, hein. Ouais, pareil, c'est vrai que c'est très très rapide quand même. C'est rapide. Bon, en sachant que je crois que Alexis a son meilleur temps au qualif, c'est énorme, hein, je crois. C'est... Un 2-6 ou 2-5, je sais plus, mais c'est énorme. Ouais, c'est sûr que là... Donc on a Jordan Lacoste, hein, qui a déjà perdu du temps sur Newbie, qui a 18 secondes. Mathieu Moisseron, qui est bien revenu, qui est quatrième. Suivi de Logan, Jimmy et Théo, qui sont roue dans roue. Donc à surveiller, ces trois-là. Suivi de plus loin... Kevin Letellier, Corentin Dubois qui a dû faire une erreur, qui a perdu quelques places. Oh là là, et chute de Logan. Je cherche Tis qui est remonté à la 12e place, qui commence à baisser ses temps. Bah, pas dans ce tour-là, mais dans le tour d'avant. Derrière, Benoît Croivec qui vient de tomber, qui était à la 14e position, 15e même. Aurélien Vandecapelle 16, 17, donc Benoît Kraviec qui a perdu donc 3 places, 2 places ou 3 places dans cette chute. Dorian Marot, hein, qui est toujours dans les points. Kenny, tu vois, qui fait une bonne course, Kenny. Il est en quelle position, Kenny? Il est dans les points, il est 19e. Je crois que c'est son retour, hein, Kenny. Bon petit retour de Kenny, oui. Suivi de Morgi, Damien qui est... C'est tout près des points, Damien Meyer, suivi de Jean Bidoveil, David Leroux qui a perdu un peu le fil, mais David il va se rattraper deuxièmement certainement. Mathieu Lemoine qui est 24e, Thomas Linotte 25e, Johan Roger 26, Victor Bittner qui est tombé, Jérôme Vasselin qui est 29e. Et notre ami Rémi Gourdon qui a dû avoir un problème. Notre ami Lucas de Souza qui vient de prendre un tour par Alexis. Ah ouais, Alexis là, je pense qu'il est dans... Et quand on le regarde rouler, hein, pour lui on a l'impression que c'est facile. Eh oui, mais c'est justement après, quand on va sur la piste, pour nous c'est pas pareil. Ah mais Johan, il est tout prêt, hein, la moindre faute d'Alexis et... Johan repasse devant, hein. On est à 14 minutes. C'est bien, les lapeurs se poussent. C'est devant. La bataille, elle est là. 7e tour. Newbie toujours en embuscade derrière. Eh oui, on va surveiller ça. Attention, parce que Alexis rentre dans les lapeurs. Les retardataires qui se poussent bien. Merci David. Pour l'instant, tout le monde se pousse bien. Ouais, c'est très propre. Espérons jusqu'au bout que les lapeurs ne gêneront pas. C'est tout ce que je souhaite pour les leaders. Alors Newbie, il y a 6 secondes. Par contre, il y a eu un trou vraiment de creusé entre Newbie et Jordan Lacoste. Beaucoup trop d'erreurs pour Jordan, qui avait fait un bon départ.
Et derrière, ça se bat, hein. Jimmy, Théo, avec Mathieu, tout ça, c'est dans un mouchoir de poche, avec Kevin Letellier qui est tout près, hein, en 7ème position. Kevin qui va rien lâcher. Corentin, pareil, hein, on connaît les talents de Corentin, il lâchera rien. Ah, il peut revenir, il reste du temps. Hein, il reste du Maxime, temps. Qui a eu vraiment pas de chance, hein, en début de manche, il est beaucoup tombé. Et ce qu'il me disait tout à l'heure quand j'ai fait la manche, si tu tombes pendant les deux premiers tours, t'es foutu. Ah oui. C'est sûr que les deux premiers tours, l'idéal est de ne pas tomber. Bon, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais... Ah, exact. C'est l'idéal. Ou se bouffer des ballots au mauvais moment, comme un gros Pougin. Ah, il y a quelqu'un qui a dû gêner, Newbie. Tu peux me dire ce que Newbie, là, la Kawasaki. Je remonte. Et c'est Victor Bittner. Le 380, non 939. Non, 939, excuse-moi. Victor, faut se pousser. Faut se pousser, tu vois le drapeau bleu. À moins que Newbie soit tombé, on l'a pas vu, hein. On sait pas ce qui s'est passé. Non, mais ils ont dû s'accrocher. Je vois mal Newbie ouvrir le chat pour dire qu'on a peur de se pousser. S'il n'était pas tombé. Donc Alexis, hein, toujours... 16 secondes hein, maintenant. Bah oui. On est dans les deux derniers tours. Mathieu Moisseron qui revient pas très loin de Jordan. Hein. Mathieu, il est qu'à 6 secondes. Là, on est dans les derniers tours. Hein. Alexis qui vient de prendre un tour justement à Canap. Très belle course de Jimmy Leclerc, hein, le frère d'Alexis, qui est en 5ème position. Mathieu Moisseron toujours 4. À Maxime Tison qui est revenu dans le top 10. Maxime là il a fait le trou hein, derrière. Benjamin il est à 19 secondes. À 19 secondes, c'est sûr que là, il nous reste. Il doit rester plus qu'un tour à Alexis est tombé. Il s'est accroché avec un lapeur. Et donc, qu'est-ce que ça va nous donner pour Newbie? Un Newbie qui est monté un peu haut là. Il est un peu loin encore. Il est un peu loin. Ouais, 17 secondes. Hein. Ensuite, on a Jordan qui a 11 secondes. Ne se pose surtout pas que Newbie nous fasse une faute parce que... La deuxième place, elle s'envole. Mathieu Lemoine qui s'est bien poussé. Ah, chute de Jordan. Glisse. Jordan, par contre, va se faire attraper par Mathieu Moisseron. Par Mathieu Moisseron, qui revient très fort. Mathieu, il l'a là. Hein. Bout du fusil. Allez, Mathieu, faut aller le chercher. Corentin qui a pris la 5ème place à Jimmy. On est en GoPro sur Mathieu. Allez, Mathieu, il est juste devant toi. C'est le moment. Il y a Kevin aussi, Kevin qui se bat avec Jimmy. Jimmy qui en fin de manche là. J'espère pour lui qu'il va garder sa 6ème place. On est dans le dernier tour. Le dernier tour et là, Mathieu, il reste pas grand chose pour gratter cette place et être sur le podium. Maxime Tison qui est passé à la 9ème position. Belle course aussi d'Adrien Corvisier qui est en 12ème position. Allez Mathieu, il reste pas grand chose. Ah, Damien Meyer qui est en 21, hein, il est tout près des points Damien. Il est loin non du 20ème. Ah il est à 3 secondes, hein, 3 secondes 3. Glissade, hein. Tout est possible. Et oui, je regarde, c'est Fred Lorenzo Junior qui, rappelons-le, avait commencé les qualifs la semaine dernière dans le premier Grand Prix en amateur. Amateur et qui est ici avec les pros et qui a vraiment sa place. Ouais.
Il s'est qualifié en 2-20, il était 25e au qualif. Rien à dire, il a le niveau pour rouler en pro. Eh oui. Alors toujours sur la bataille, Mathieu Moisseron et Jordan Lacoste. Damien, il a fait une belle course, mais il rentrera certainement pas dans les points. Ouais, il fera peut-être mieux la prochaine manche. Ah, il vient de chuter. Et il vient de prendre un tour par Alexis, qui vient de finir donc premier. Alexis Leclerc. Deuxième, très belle course de Newbie, notre ami Newbie, qui organise aussi avec tous ses collègues ce magnifique championnat. Oui, on les remercie. C'est un gros boulot. Voilà, c'est du boulot. Tout ce qu'ils organisent, ça demande du temps, beaucoup de temps. Donc, Jordan, pour le temps qu'il consacre à ça, pour nous permettre de rouler et de s'amuser, ce qui est essentiel. Alors, nous avons donc Mathieu n'a pas réussi à prendre la troisième place. Hein, et il est tombé dans l'avant-dernier virage. Oui, fini quatrième. Belle course quand même. Corentin Dubois, cinquième. Sixième, Kevin Letellier. Septième, Théo Zomero. Huitième, Maxime Tison. Maxime qui est bien remonté. Hein, Maxime qui était à un moment 16e. Il est remonté 8e. Il a regagné une place dans le dernier tour. Logan de Paty 9, 10 Jimmy Leclerc, Jimmy qui a perdu 5 places dans le dernier tour. Malheureusement, il a un petit peu craqué sur la fin, mais une très belle course de sa part. 11e Benjamin Joly. Le 12e, ça devrait être Aurélien Vandecapelle. Voilà. On devrait pas avoir de soucis. Adrien Corvisier qui arrive aussi. Qui a fait une belle course. Ah, non. Adrien qui se bloque. J'ai parlé trop vite, Adrien qui se bloque. Ouais, mais il avait Ryan Ravel, il est loin derrière. Hein, il est à 21 secondes, donc pour Adrien, la 14e place. Ah, il rechute, Adrien. Il rechute et Ryan arrive. Ça va vite. Faut pas une autre chute, là. Voilà, c'est bon, c'est fait pour Adrien. C'est fait. Et après, normalement, Ryan Ravel, qui est suivi par Florian Depardieu. Ah, c'est bon, c'est fait pour Ryan. Pour Florian aussi. Morgi qui finit 17e. Jean Bidobel. Yann Bidobel. Oui. Yann Bidobel. Scrubby. Ah, c'est bagarre avec Benoît Kravayek, hein. Il faut pas qu'il y en ait un qui tombe là. Oui. Le 18. Dernier virage, c'est fait. 19, Benoît Kravayek. Lorenzo qui arrive. 20e. Damien Meyer, 21e. 22e. Kenny Aitouin. 23e Mathieu Lemoine, David Leroux 24e, Thomas Linot qui arrive, 25e, 26e Johan Roger, 28 Mika de Souza, Jérôme Vasselin, 27 Mika de Souza, excusez-moi, 28 Jérôme Vasselin, 29 Victor Bittner, Rémi Gourdon 30, et voilà pour cette première manche. Eh ben, belle première manche et espérons que la deuxième manche soit aussi belle. Je te dis à tout de suite. À tout de suite pour la manche World.